Okay, wait a minute. Des fois, on va se parler quand elle va. OK. Salut Internet. Je ne sais pas qui est en train de dire ça, si c'est matin, si c'est soir, quel que soit le côté dans le monde. Là. Et nous voulons dire que nous sommes contents pour nous retrouver nous, à soir. Salut Jacin. Salut Gracie. Comment est-ce que mon cher est en forme et je salue le public, je salue Haïti, je salue le monde. Je vous dis et salutations à tout le monde un peu partout et quel que soit l'heure. Et vous attendez l'émission ça. Et alors, ce n'est pas une émission proprement dit, et nous c'est IDEO. IDEO, c'est un channel que moi-même, avec Kofrem, Frem, Gracie, et les amis de longue date, moi, et frères spirituels, moi, nous créons en vue pour nous porter contribution par nous dans la société. Et nous réaliser que grand pile monde qui a parlé, grand pile monde qui a diffusé, grand pile monde qui a émettre. Et surtout avec opportunité que Facebook et YouTube bail. Et nous habitués à échanger en pile idées, en pile bonnes idées, en pile bonne idéologie. Et puis nous dit tête nous, mais pourquoi pas vulgariser ensemble d'idées ça yo qui peut servir pays nous. Et puis et par constat que nous fait et jeunesse nous qui vraiment est aux abois vu avec exode massive des jeunes haïtiens et qui parlent un peu partout qui a passé misère et récemment nous ça qui a passé dans la République dominicaine côté que la République dominicaine a violé et des droits humains au plus haut niveau aussi côté que il pas respecté l'hôpital il pas respecté l'église et monde qui malade monde qui fait accoucher nous côté a déporté yo et vu tout avec conseil des jeunes qui vraiment surdoué et parmi lesquels je suis allé à l'école avec un pile jeune, condisciple moins, amis université, amis école classique, et qui vraiment servent pour éclater tellement il y a des bagages. Mais il y a une université de sciences pour le déposer, pour l'implémenter. Donc, ça a bon du bayo. Et bagages, il n'est pas impossible, au fait. Il n'est pas si difficile pour le fait. Et nous disons pourquoi pas mettre tête nous ensemble, créer Chanel ça. Pas pour nous grossir le nombre de Chanel. Sur YouTube ou bien sur Facebook, qui a diffusé des nouvelles. Nous n'avons pas avec quelqu'un, confrère, qui a partagé rien, au contraire, il y a un de nos services, qui n'a pas de temps pour nous chercher, pour nous brancher la radio, surtout nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, pour nous regarder ce qui a passé. Il y a un gros service. Nous voulons un bon big up pour toute Chanel Zayo, qui a fait bon travail, qui a dit la vérité. Et, mais nous-mêmes, Chanel Panou, il n'y a pas le gros signe de Chanel Zayo, comme des nouvelles. Mais plutôt, c'est un centre de réflexion. C'est un passe pour que pour nous créer une banque d'idées, une banque d'idéologie qui va servir le pays. Côté que ou même qui c'est un employé, disons, un haut fonctionnaire de l'État, ou même qui aspire pour une président du pays, qui vient pour une sénateur, magistrat, député, dans Chanel, ça, ou pour le jeune bagage. C'est ça que nous dénommons Chanel. Là. Idéo, deux penseurs, un Chanel, Haïti en action. Haïti en action, ça veut dire quoi? Il y a un avion qui volait en l'air, nous avons volé, il était volé dans l'esprit au monde avant, à terre, avant de voler en l'air. Eh bien, dans l'idée, nous pouvons vulgariser un ensemble d'idées pouvant aider à démarrage de ça. Nous invitons, subscribe, fait tout ce qu'on peut faire. Nous ne pouvons pas le dire tout ça pour faire au pied écrit parce que nous déjà sur toile d'araignée hein, que j'en pour subscribe, que j'en pour abonner à un channel, que j'en pour like. Nous ne pouvons pas le demander, nous ne pouvons pas le dire tout ça pour faire. Nous ne pouvons pas et nous ne pas regretter. Et nous avons invité tout le monde qui a des bonnes idées. Le monde qui voulait Haïti décoller. Ou même qui n'a pas tête ou qu'on a une idée qui a bouilli longtemps dans l'esprit. Ou qu'on a si dirigeant ou fait ça, payant décoller. Et mes channels, ça, c'est pas. Parce que vous avez retrouvé avec ensemble des penseurs, ça a eu. Même j'ai avec moi, même j'ai avec Messi, n'attend tout l'autre penseur positif. Pas un monde qui veut venir jouer, pas un monde qui est négatif, pas un monde qui, comme si qui veut promouvoir un quel monde. Pas dit souvent un monde qui fait un bagage qui est bon pour pas promouvoir. Mais surtout, Haïti en santé. À partir de Chanel, ça a Haïti décollé, Haïti en santé. Messi, son pensé. Bien, Jacin, bon, définitivement, et comme nous avons présenté notre tête, nous avons présenté la plateforme avec le grand public là, et nous avons dit que IDEO, deux penseurs, un Chanel, Haïti en chantier ou Haïti en action, qui dit même bagaille là,
Il était venu de échange souvent que moi-même avec Jacin Denis, ici présent, on a parlé. Nous sommes deux jeunes qui ont vécu. Bon, moi, quand je dis c'est deux jeunes, nous qui sommes 35 ans, nous qui sommes jeunes, là déjà. Vous êtes moins jeunes, deux jeunes. Nous avons l'âge mieux, nous avons l'âge de sagesse, non, bien entendu. Donc, nous sommes deux mondes qui ont toujours échangé. Alors, il faut nous dire ça. Ce n'est pas simplement deux simples amis qui sont là. Nous sommes des amis qui ont amitié de plus de 25 ans. OK, nous avons près de 25 ans depuis que nos amis, depuis que nous étions jeunes, adolescents, à l'université, nous rencontrer dans le secteur religieux, nous évoluer, j'ai évolué aux États-Unis, moi voisin là à côté à la Canada. Donc, nous avons étudié, nous avons préparé nous pour la vie en général, nous avons préparé nous pour le pays. Et non, pendant que nous avons échangé, pendant que nous avons essayé, que nous toujours mariés avec le pays de Haïti, qui c'est avec le code l'homme que nous mariés, et qu'à chaque jour, nous échanger, bah, et si nous faisons deux jours, nous pas échanger concernant une idée quelconque, nous avons un partagé. Et au fur et à mesure que nous avons réfléchi, nous disons, mais à partir de ce belle bagaille là qui fait sens, on pas qu'une belle bagaille qui est capable et porter un paquet de changements pour la communauté haïtienne en général, soit dans la diaspora ou bien local, côté que Frenon et Xenoyé, côté que nous faisons. Mm-hmm. Et nous disons que pour que ça, que nous pas créer un espace côté que nous capables de partager des noms avec tout le monde, avec les très jeunes qui sont adolescents, avec les jeunes qui sont dans l'âge, côté que après entrer à l'université, et avec les moins jeunes d'autres qui sont dans l'âge de la sagesse, comme les magasins. Ou bien aîné nous qui plus grand que nous-mêmes qui capable de dire OK ouais et au lieu que vous qui était stressé par un paquet de bagages qui passe dans le pays ou bien qui passe dans le monde là mais préférez que vous prenez temps ça au lieu d'écouter des nouvelles dans la radio traditionnelle en pile voir qui pas encourageant ou bien qui plus là pour empoisonner l'esprit jeune ou bien moins jeune je continue d'étudier pays à Jean Raphaël déjà pour que ça que vous parlez en ligne et attendez des monde qui ont bagages qui positif à partager. Et sur notre ça, moi-même personnellement, je vais prendre le soin, même à cette préfète pour nous saluer quelques mondes, nous trouver que nous un travail qui est très positif sur YouTube. Nous voulons saluer Raph Laurent. Raph Laurent, c'est un monde qui a une sagesse extraordinaire, la façon qu'il a partagé, la façon qu'il prend temps, son équipe cohérent, son équipe respecte tête et qui est très radical, surtout, qui est très discipliné. Il dit clairement, il parle à lui, même pour faire l'argent sur la plateforme YouTube, là, pour le partager en bagage. Pour le rappeler, pour l'éduquer, pour l'informer, pour le former, de manière à ce que nous sommes capables de vivre ensemble, construire une communauté côté que nous pourrons aller et faire que tout le monde réunit dans la même page, nous focus non seul bagaille, il y a Haïti. Pas de monde qui est là pour fanatique X ou bien Y ou bien faire des autres. Donc, nous pensons que j'ai que nous voulons saluer tout pour un travail colossal là, fait sur la plateforme YouTube là, c'est Hébert Torchon. Hébert Torchon, nous sommes capables que c'est un... Hébert Torchon, Cadence TV Radio. Exactement, Cadence TV Radio. Bon, monsieur a fait un très, très bon travail, monsieur est toujours très objectif. Très, très objectif, et je pense que monsieur a fait un très, très bon travail. Mais il y a des séries de jeunes, tout, avec un pile fou que vous gagnez, que moi, je m'entendais, tout. Par exemple, je m'entendais Foucault. Par contre, je m'entendais Foucault, ou tout dans le bas de vous. Ouais, définitivement. Foucault, ça m'a dans Foucault, formaux, lié, dit qu'on est un formaux, lié, qu'on est un fol. Et qui est très fou là, elle est très folle. Mm-hmm. Et vraiment, moi, c'est la créativité qui est là, elle est tantôt. Et si vous permettez, moi, Greg, et si vous permettez, moi, bien rapide, et alors, bave le volet tout le monde même. Non, bave le volet, t'y chance, salut. Vas-y. T'as fondé un travail extraordinaire. Et je profite de saluer Yannick tout, et je vois Yannick dans la même ligne et tout. Et Yannick a fait un très bon travail, et je crois que c'est même Five On Eye et Chanel Nia et tout. Et Five On Eye, something. Mm-hmm. Et Yannick, il me salue, et il y a plus l'autre monde qui a fait un plus bon travail. Infoberto. On a tellement fait, moi connais monsieur ça yo que au cité là yo vraiment radical et yo vraiment directement ça dit ce sont des hommes qui remet Haïti en pile et m'a bon le soin pour continuer saluer et respecter mes chanel yo mais justement devait avancer ça et m'a invité mon yo un peu de tolérance et puis un peu de patience tout pour écouter monde et si on monde comme elle a dit c'est Haïti il mettait en évidence regardez peu importe s'il a supporté un président ou bien s'il a supporté un régime
mais on nous apprend côté qui ça monde gagne comme provision. Gain des monde le fait qu'il cite non monde seulement. Il est entré dans collimateur ennemi nous. Mm-hmm. Parce que monde qu'il cite assez ennemi nous. Mm-hmm. Peu importe. Jean Blanc t'a dit le regardless. Ça le gain vous le dit. Nous on monde ça a tendance pas coûter parce que monde ça a dans telle tendance dans telle lignée. Yeah. En nous bah tête nous patience ça jeunesse là, jeune haïtien et jeune professionnel lui. En nous comme si m'a dit moi écouter qui ça on monde gain pour dire qui écouter qui provision monde gain pour payer. Surtout les Haïti monde n'a mettre en évidence. Pas un problème, yeah. Vraiment continuer avec salutation yo avec monde qui n'a big up yo pour travail qu'il a fait. Bon, bien entendu, et nous pas continuer et saluer et ben, nous pensons que au fur et à mesure n'a pas songe un paquet de monde pour nous saluer, mais l'idée c'est que ça lié idée au Jean-Jacques Saint-Abdil tout à l'heure que nous là pour nous pas là pour venir bailler nouvelle, nous pas là pour venir relayer nouvelle qu'a bailler déjà. Nous pas là non plus tout pour que nous venir faire des activités à sensation, mais nous là pour nous partager des ingrédients à côté de tout l'autre monde qui déjà fait des travail qui super dans ça, de très bonnes idées qui peut permettre que nous avons une communauté haïtienne qui est très forte et qui est beaucoup plus productive. Parce que ça que nous avons besoin qu'on est là quand nous sommes haïtiens, nous n'avons pas de culture là quand nous sortons dans sa yurile, yon gros machine et ancestrale yurile d'esclavage. Et en tant que monde qui était esclave, nous sommes là comme des choses que nous mettons cap décider pour nous-mêmes. Mais je dis, nous revenons en phase dans la vie, nous côté que nous comprenons que nous avons besoin de décider pour nous suivre l'image dans cette noyau. Et Toussaint Louverture, Jacques Dessalines et Henri Christophe. Et nous ne pouvons pas rentrer dans l'ancien généraux même qui était très tôt, qui était là dans l'armée indigène, mais qui était top ou bien espion et l'armée française. Nous ne pouvons pas rentrer dans le monde. Mais nous avons été dans le monde qui était conséquent, monde qui était prêt pour mourir et qui était connaît les terribles pour mourir de manière à ce que la génération que nous y a, qui a suivi, qui a continué à émerger avec la nation. Donc nous saluons moi Toussaint Louverture qui compte qui l'est pour te livrer tête libre à l'éclair de manière à ce que pour te quitter Jean-Jacques Dessalines avec l'autre continuer. Nous saluons Dessalines tout qui lui-même tout te compte qui l'est pour te mourir tout pour que il soit capable de quitter que mémoire lui fait que nation vienne plus fort parce que Dessalines c'est ils sont des marchands Dessalines Jacin. Dessalines sont marchands Dessalines, il rentre dans l'ouest, il traverse l'ouest et puis il aller dans le sud qui s'est d'Algérie. L'Algérie un paquet nèg qui t'a volé bien l'état qui t'a fourré mais bien long dans ça non bien qu'il a pour gérer affaire peuple là et puis il a décidé que il a gagoté monsieur aller li matériser li met tout le monde en place yo et là la tourner dit quoi que après tout ça me fait dans sud là si citoyens ça pas soulever contre moi c'est que pas monde et de fait vous pas même qui était passé pont rouge dans département l'ouest là tout et monsieur connaît clairement que ça d'après le faire il va mourir après. Il te connaît que c'était faut qu'il te mouri de manière à ce que mon gars suive après yo t'es capable venir faire baïe qui puissant donc c'est ça l'idée c'est que nous là pour que nous assurer nous que nous pral suivre nous pral apprendre développer le côté leadership là quand nous pral apprendre développer sens créativité qui était animé dans cette noyo qui portait bon nous indépendance colossale et qui te fait que Jean-Jacques Dessalines pour que attention Vatican dit pas qu'on n'est pas qu'on écrit pas vrai. Un gros mensonge ça est. Jean-Jacques Dessalines c'est ton équipe qu'on lit qu'on écrit acte de l'indépendance là en pile bagarre écrit là propre mais pas. Pas ton équipe parce qu'on lit Jean-Jacques Dessalines déjà Dessalines c'est ton équipe qui était hautement spirituel qui était une puissance extraordinaire à la qui mettait nous qui baille en constitution que les constitutions 1805 en la constitution 1805 ça un paquet l'autre organisme de droits de l'homme jodi a qui c'est les têtes ONU ou bien UNICEF n'importe ça yo ya. La constitution 1805 là, Dessalines c'est pionnier. Dans l'émission là maintenant. Tout le monde sait. Yes. Dessalines c'est pionnier. Tout l'autre organe, surtout des capables d'être ONU ou bien droit de l'homme ou bien peu importe, sortant de yo, qui là pour gérer les affaires des humains. Et c'est Dessalines c'est pionnier dans tout le bagage. Donc nous avons un gros papa nation qui est connu, j'ai assez moi envie de dire mon bagage maintenant. Justement, Greg, justement, et nous là pour nous. Not to cut you off, Greg, nous là pour nous vraiment réanimer l'esprit qui forme la nation, ça, qui était formé là et qui a formé là. Exact. Parce que, guys, bon, dis-nous, bye. Tout ce qu'on fait, li supposé constituer une base. Des fois, construit, que ce soit construit, hein, ou pas fait base là.
va dire que alors par contre qu'est-ce qu'on a construit qui a fait sans base par contre et quelque chose pour une maison ou pour un bateau ou pour un avion ou pour une machine et son base pour construire un vent et puis à partir de là on continue on bâtit sous lui et c'est même bien avec le pays hein. Je pense que moi-même moi gagne Jean Grec se dit dans la quarantaine pourquoi Haïti jamais démarré parce que commencer à la base et ben nous même dans idéo c'est ça nous va le faire nous va pas la jeunesse là nous va le montrer mais qui base développement pays ça. C'est pas qu'on va connaître déjà, non? Ou bien c'est nous-mêmes qui va le montrer à Haïtien. Non, loin de là. Loin de nous, l'idée, comme si c'est nous-mêmes qui avons en bas à nouveau. Yeah. Mais en plus de fois, nous avons tout mangé. Nous avons tout mangé dans la cuisine. Nous avons tout ingrédient. Nous mettons tout gardé pour nous faire on manger. Mm-hmm. Ou bien nous ne connaissons pas qui nous mettons ensemble. Mais nous, tout nous connaissons, nous gagnons. Et quelque chose à manger, vous voulez faire, nous avons tout ingrédient là. Yeah. Mais qui est-ce qu'on mette ensemble? Jean pour nous mettre ensemble, ça pour mettre en vent, ça pour mettre en deuxième, ça pour mettre en dernier. Exact. C'est problème ça nous gagne dans pays hein. Et je pense que c'est sous ça jeunesse là regardez on aussi se fait tyrannie ça moi il y a des monde qui me grand pile respect pour mais encore un bagage Facebook là fait découvrir l'aide peuple haïtien l'aide jeunesse là surtout dans critiquer dans gérer comme des grands gestionnaires de tyrannie et j'aime toujours dire avec un pile monde m'échanger déjà même avec Greg surtout nous comme ça de une guerre civile dans le pays comme ça pour qui ça parce qu'il y a des gestionnaires de haine il y a des gestionnaires des idées négatives qui a conduit à la à bataille à écoulement du sang versement du sang écoulement du sang en nous six pendant avec tyrannie ça en nous venir ensemble pour nous voir qui gens nous café ça nous le développement endogène. Pays à son pays riche, chaque zone yo yo gen propre richesse yo. Moi-même, moi sorti en de nous, Jérémy, et Grécy, c'est confirmé, c'est compatriote, moi, justement, par adoption. Grécy a le travail, non, compagnie, nous te fait commencer ouvert, et puis il tombe d'amour pour zone, non, mais je dis, c'est propriétaire dans zone. Yes. Et que moi, ça te me flatte pour ça. Grâce et est-ce que nous avons encore qui justement. Et nous disons, bon, nous ne pouvons pas dire que Dia, il était connu pour ça, pour nous faire chimer ensemble. Yes. Et c'est une bagaille qui connecte nous plus toujours, le fait que Grécy a adopté ville natalement, que moi, je en pile, et il est prêt pour lui contribuer dans le développement de zone. Ça. Gain bagaille. Je ne veux pas dire que nous avons fait l'éloge de nous, ça n'a pas fait, ça n'a pas dit, ça n'a pas dit, mais c'est surtout qui ça nous a porté. Mm-hmm. Ou même qu'à parler, ou même qu'à critiquer moi. Moi, un pile monde qui est enflammé de colère contre moi. Alors, Jacin, avant que vous abondiez plus, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Justement. Jacin, actuellement, l'a étudié. Jacin, vous avez dit que vous avez dit dans quel domaine vous avez étudié. Dans quel domaine vous avez étudié? Moi, dans la science de l'environnement, je fais spécialité en agronomie, en agriculture. Quel côté? FIU, Florida International University. OK, donc nous avons imaginé que j'ai assez d'études, mais ouais, études ça va faire là, c'est pour qui ça va faire actuellement? Justement, c'est tourner la caille, à développer la caille, à grandir l'économie, la caille. Nous avons commencé par la région côté de nous sortir. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de partager avec nous, parce que nous connaissons ces gros. Alors, comme la pétrole du bagaille, là, développer les plats à public la génération, on est qui est déjà fait de nous. Et justement, et pas tout bail opportunité hein et pour faire même bagarre pas tant par contact et m'a fait à côté non certainement alors pas que doit avancer moi même personnellement pendant nous l'âme pour présenter public là et Grécy même tout et nous gain des idées des troncs communs que nous a fait ensemble que n'a pas évolué la donne et Grécy même les avant tout fait c'est un ingénieur mécanique qui l'a tout son mécanicien qui l'a et son est dans la communauté le valide et même qui te Grécy dit dans qui domaine a évolué tout jusqu'à vous avez étudié. OK, alors moi personnellement domaine pas que très prochainement on va démarrer en termes d'études et on va réaliser que et qui affinité naturelle qui gagne moi avec Jacin Zamim Jacin Denis depuis nous tout jeune jusqu'à aujourd'hui après 25 ans nos amis qui affinité que nous gagne Jacin commencé et fait étudier en domaine et sciences de l'environnement et sciences de la terre et puis go rêve là c'est à développer un bagage en commun avec l'autre partenaire que nous allons développer dans grand pays particulièrement dans arrondissement Ansdeno Dambari et les Iwa donc et puis m'a prendre moi compte tout ça fait plusieurs années que même bien avant que me rentrer ici au Canada me dégage dans rêve ça pour mal pour formation en yoban
and regional planning. Ça signifie que ça, c'est capacité, c'est une expertise pour apprendre, construire, faire ça, les market, une ville avec belle bagaille, il y a toute bagaille là dedans et en même temps tout regional planning, il y a côté ça qui gagne ça relé aménagement de territoire, aménagement des zones rurales qui entourent les villes de manière à ce que interaction capable de faire dans l'intérêt de tout le monde. Donc c'est intéressant. Il y a ça marche avec tout ça relé architecture et environnemental. Et sous bien garder sciences de l'environnement, sciences de la terre, urbanisme et puis planification de et de différentes zones urbaines ou bien zones rurales mélangées avec avec la science de l'environnement, quoi que c'est deux sciences qui connectent comme ça, qui marchent main dans main et qui capable contribuer dans développement pays. Donc nous finissons par comprendre que nous c'est deux mondes très prochainement là qui parlent deux grandes ressources rares pour pays dans le sens que une fois que le pays a nous joint unité, nous une symbiose que nous cherchons. Et la communauté diaspora constitue une communauté forte. Et dernièrement, Ralph Laurent a partagé une idée qui me très aimé, dans le sens que nous avons constitué un fonds, une entreprise qui est légale. Pour dire que nous avons constitué un fonds, et font ça, nous capable décider ensemble qui côté que nous avons, dans quel axe, dans le pays que nous allons investir là-dedans. Nous trouvons que c'est une idée géniale. Parce que quel que soit pays qui a développé, il faut que ça ait une communauté diaspora qui a développé. Tout pays dans le monde, la République Dominicaine, Jamaïque, c'est communauté qui fait. Il y a des amis qui font des choses ensemble avec moi, Yassin. Qui dit que nous-mêmes, tout ça que nous faisons, c'est voyer, on $600, on $200, on $500 à Haïti. Comme si là, c'est mouvement pompier d'avoir réglé, mais nous ne parlons pas en sérieux. Et je pense que dans le moment ça que nous sommes là, dans la période ça que nous sommes là, Haïti a passer en phase de transition pour sortir dans une zone qui est très fine, on va prendre la longue période de lumière. Quand que diaspora a dit que ok, nous-mêmes nous voulons rentrer dans le pays nous pour que nous venions porter contribution par nous, pas forcément avant tout en contribution politique dans le sens que nous voulons président, sénateur, député, mais nous capables ça tout pourquoi pas, parce que nous former, nous éduquer, nous développer nos pays, nous dans tout type de domaine nous étudier, nous c'est des monde qui compte ça signifie belle route, qui compte ça signifie dormir bien, manger bien, fait besoin nous bien. Alors et permettre que me dit fait besoin nous bien, besoin fait besoin nous tout ça que me blé dire là. Pour moi Jason, son pile bagage ça y est. Et non mais va Jason son hier va deux rue nous avons dernièrement. Nous sommes misères les bonnes passées et justement nous à l'aise comme cela nous pour nous faire ça. Ya. Nous quand pas ça pour jouer messieurs dames. Mais c'est lorsque vous sortez dans extrême et pour vous être à voir c'est nos niveaux de vie qui ont dit en médian pour que son bénédiction que lié lorsque il y a des séries de bagages au café ou en toute sérénité au café ou dans la propriété surtout Yassin. Vous comprenez? À quel point nous apprenons reconnaissant pour les moindres détails de la vie, si nous pas reconnaissant pour les petits détails, c'est pas pour grand détail. Justement, mon cher Greg, et ça n'a pas qu'un bémoun pour trop longtemps. Parce que j'en ai dit, ce n'est pas une émission proprement dite. Yeah. Et je dis, c'est surtout une connaissance avec le grand public. Là.